Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Présentez-vous. Moi, c'est Soumé Bransour Nefaké. D'accord. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste. Et vous habitez ici? Non, je suis à Kolea. Et vous êtes témoin de ce qui s'est passé ici? C'est un ami qui m'a appelé le matin avec mon grand CX. Je suis venu avec Foula. Maintenant, l'intervention est faite devant moi. Oui. Quand, quand vous dites l'intervention, de quelle intervention vous parlez? La manière que les militants sont rentrés ici, c'était devant moi. Oui. J'étais avec Foula, Foula de Adafo Media. Maintenant, au moment que nous prenons prise de voix maintenant, il y a un gendarme qui est venu chez GT sur nous. Il a même sur vous, les journalistes? Nous, les journalistes. Mm-hmm. J'ai même dit, c'est la presse, c'est la presse. Il a dit, ça, ça n'engage que vous. Mm-hmm. Moi, je m'en fous de vous. Mm-hmm. Il a même insulté ma, mes parents devant moi. Mm-hmm. Foula voulait réagir. J'ai dit, non, arrêtez comme ça. Mm-hmm. Comme c'est la presse, moi, je vais essayer de débattre ça quand même. Mm-hmm. Parce que là, moi, je suis né pour parler. J'apprends comment parler. Mm-hmm. Il y a un lieutenant même. Mm-hmm. Ce dernier se trouve à Amdallah, je le connais. Mm-hmm. Même s'il est devant moi. Mm-hmm. Il a dit, on y a ma frère. On a traduisez ça en français, s'il vous plaît. On n'a même pas commencé d'abord. Mm-hmm. Comme vous, vous êtes des bâtards, nous, nous sommes des chiens. Ouais. C'est ça qu'il a avant de quitter. Et ça, c'est des gendarmes qui ont dit ça. Ça, c'est des gendarmes, c'est un lieutenant, un chef d'équipe. Oui, oui. Étant un militaire qui devrait, on dit comme dans la loi, que les militaires sont comme des. Que les civils sont des patrons des militaires. Mmh. Au lieu de nous protéger, ils sont venus pour nous voler. Ouais. Regardez la chambre de mon ami. Mmh. Ils sont venus frapper nos petits frères, ramasser l'argent, voler des ordinateurs, n'importe quoi. Cet ordinateur perdu. Et vous avez dit que vous avez reconnu un des lieutenants, je crois. Deux agents. Uh-huh. Lieutenant et le gars qui m'a insulté là, ce n'est pas la première fois. Et qu'est-ce que vous comptez faire alors contre eux? Là quand même, moi, je vais essayer de débattre ça à la radio. Okay, okay. Là-bas, on ne dit pas le nom de quelqu'un, mais moi je vais dire son nom. Il va me convoquer là où il veut, mais pas là-bas. Okay. Merci bien.